Aujourd'hui, nous insistons déjà sur l'intervention de l'architecte et l'intervention de l'ingénieur conseiller au-delà de R+2. Parce qu'au-delà de R+2, c'est d'autres calculs qui rentrent en ligne de compte dans la construction. Ce n'est plus le maçon classique qui va monter des agglos et faire un chaînage et puis faire une toiture. Au-delà de R+2, ça change complètement. Il faut des études de sol, il faut des études de structure. Il faut que les calculs de convenance soient correctement faits. Il faut s'assurer que la qualité du béton est bonne, que les agglomérés sont ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'allais dire, nous sommes obligés, alors qu'on voit dans la ville d'Abidjan de plus en plus de constructions au-delà de ce niveau.